Eh bien, nous allons maintenant confier sa première mission à notre chat Scratch. On va lui demander de faire un joli petit dessin. Et pour commencer, un dessin simple, nous allons lui demander de dessiner un triangle équilatéral. Facile. Alors, pour dessiner, il faut qu'il dispose d'un stylo. Nous allons donc dans les blocs stylo et nous allons demander de mettre un stylo en position d'écriture. Et quand c'est fait, voyons voir ce qui se passe si je lui demande d'avancer de 100 pas. Attention, c'est parti. Voilà, il laisse derrière lui une trace de longueur 100 pas. Bien, là pour l'instant, je lui demande d'effacer tout et nous allons commencer le programme pour le tracé d'un triangle équilatéral. Donc pour cela, on va lui demander d'avancer de 100 pas et puis de tourner à un triangle équilatéral. Nous avons tous appris qu'un triangle équilatéral contient trois angles égaux et trois angles qui sont chacun de 60 degrés. Donc on se dit, allons-y, nous allons faire tourner le chat de 60 degrés vers la droite ou vers la gauche, vers la droite. Voilà. Et puis, le faire avancer de 100 pas. Je prends un bloc avancé de 100. Et puis, tourner de 60. Et puis, avancer de 100. Puis, tourner de 60. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter des blocs, attendre une seconde entre les instructions pour mieux voir ce qui se passe. Ce n'est pas obligatoire, ça ralentit le programme, mais au début, c'est peut-être intéressant de voir les actions du lutin. Voilà, et nous allons ajouter un chapeau quand le drapeau vert est cliqué, de manière à pouvoir travailler directement sur la scène. Sommes-nous prêts à voir notre lutin au travail? Alors, allons-y, c'est parti. Mais ce n'est pas du tout un triangle équilatéral qui nous a dessiné là. Eh bien, c'est que nous n'avons pas assez bien réfléchi. Et quand on n'a pas assez bien réfléchi, eh bien, on se remet à table avec un bon bout de papier et on dessine. Alors ici, pour la démonstration, moi je l'ai fait avec le logiciel Draw. Voici notre triangle équilatéral, encore appelé isocèle, et voici les différents angles, 60 degrés, 60 degrés, 60 degrés. Mais je voudrais attirer votre attention sur l'angle extérieur. Pourquoi? Alors imaginons que notre ami Scratch veuille dessiner ce triangle. Il va commencer par dessiner un côté du triangle. Et il va se déplacer tout au long de ce côté de triangle. Puis il arrive au point B. Et au point B, dans quelle direction doit-il se tourner pour dessiner le côté suivant? Il doit se tourner non pas de 60 degrés, mais il doit se tourner de 120 degrés. Démonstration. Il se trouve au point B. Je le fais tourner de 120 degrés. Et voilà. Et maintenant, s'il avance, eh bien, il va avancer dans la bonne direction. Et lorsqu'il sera au point C, de quel angle devra-t-il encore se tourner? Il devra encore se tourner de 120 degrés à nouveau. Donc, si je reviens à mon programme, alors, remettons les choses en ordre. Pour cela, je vais mettre notre ami Scratch à la position 0,0 et je vais lui demander de s'orienter à 90 degrés, ce qui est la direction vers la droite. Voilà. Et puis, je vais encore faire une dernière chose. Je vais effacer tout. Nous ferons mieux dans quelques instants. Alors, donc, avancer de 100 pas. Attends une seconde. Tourner à droite de, non pas 60, mais 120 degrés. 100 pas, 120 degrés. Et puis, la dernière rotation, qui n'est pas strictement nécessaire, mais qui est toujours mieux. Alors, voilà. Je déplace notre ami et je lance le programme
Et voyons voir ce qu'il fait maintenant. Il avance, il tourne, il avance, il tourne, il avance et il tourne. Conclusion, il a tourné d'un total de 120 plus 120 plus 120 égale 360 degrés. Il a fait un tour complet. Et le triangle est cette fois-ci parfaitement dessiné. Donc nous retenons cette règle du tour complet à 360 degrés, divisé par 3 ici, puisqu'il a fait 3 angles pour dessiner ce triangle.